Ici, sur le port de Boulogne, l'adresse est connue de tous les amateurs de saumon fumé. C'est l'une des dernières entreprises de la région où l'on fume encore à l'ancienne. Pêchés en Norvège, les saumons sauvages arrivent chaque jour par bateau, une matière première d'exception qu'il faut sublimer en respectant un process très précis. Après avoir été soigneusement découpés, les saumons sont salés généreusement. On prend le temps de bien faire les choses, le temps de fumer, pour fumer notamment là le saumon fumé à la ficelle, ça va être entre 14h et 18h de temps de fumage et 6h et 8h de temps de salage. Les fumoirs sont chargés avec de la sciure de bois de hêtre. Pas de flammes, mais des braises qui donneront ce petit goût inimitable de fumée. Le fumage est terminé, il reste une ultime étape, la découpe à la main. Le geste demande précision et savoir-faire. À l'arrivée, un produit au goût incomparable. Les clients ne s'y trompent pas, ils viennent directement acheter sur le lieu de production. Je viens toujours acheter mon saumon ici parce que c'est un saumon fumé de qualité. On nous dit souvent que c'est le meilleur dans la région. Aujourd'hui, on vient acheter du saumon, c'est une tradition. On ne voit pas Noël sans saumon de toute façon. Ici, tout au long de l'année, une centaine de commandes sont passées tous les jours. En période de fête, ce chiffre est multiplié par 4, voire par 5. Un gros coup de stress pour l'entreprise familiale qui double ses effectifs pour l'occasion.